Bonjour à tous, merci de me rejoindre sur les réseaux. Comme je vous l'ai promis, un petit live pendant une heure. Aujourd'hui, en soliste, au son de l'accordéon musette. Ah, Myriam a une petite bronchite, ce n'est rien, mais je suis en train de l'attraper. Voilà, c'est comme ça. Bon, alors quoi qu'il en soit, une heure au son de l'accordéon. Et nous allons commencer justement avec un petit morceau que j'ai composé il y a juste un an. Je l'ai appelé la valse en mars. Eh oui, ça fait déjà un an que l'on ne peut pas vous faire danser. Alors, c'est parti, danser sur cette petite valse que j'ai composée. Eh bien, il y a juste encore juste un an. Voilà, c'est la valse en mars. La valse en mars, c'est une toute nouvelle composition. Et bien, on continue maintenant avec un grand classique du bal populaire, du thé dansant. Voici la marche des accordéonistes lyonnais. Thank you.
Voilà la petite marche des accordéonistes lyonnais. Eh bien, on va rester à la guinguette. Hein. Vous avez vu, hein, j'ai trouvé quelques images des grands bals de France et de guinguettes d'autres temps. Eh bien, ça fait toujours plaisir hein, de voir du public. Bon, il est derrière moi là en photo, mais bon, ça me fait plaisir quand même. Voilà. Donc, hein, c'est toujours dur hein, de jouer devant un téléphone. Hein. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Moi, c'est pas trop mon truc. Voilà, je vous fais plaisir, je me fais plaisir. J'ai envie de jouer. Aujourd'hui, c'est un spécial musette accordéon avec un morceau que j'ai composé il y a quelques temps déjà qui s'appelle le Charleston des guinguettes. Le Charleston des guinguettes hein, qui a été enregistré hein, sur l'album Lorraine en fête, voilà, si je me souviens bien. Bon, et bien, et par d'autres artistes vosgiens également, je les remercie d'ailleurs. Nous allons continuer, je dis toujours, nous allons, ben oui, je vais continuer avec un petit boléro issu aussi de ce même album. Ça fait longtemps tiens, que je ne l'ai pas trop joué. Ça s'appelle « Depuis toujours, je t'aime ». Je pourrais dire « Depuis toujours, je vous aime, chers danseurs ». Et j'ai hâte, hâte, hâte de revenir vous faire danser en vrai. Voilà. « Depuis toujours, je t'aime ». Thank you.
Voilà, depuis toujours, je t'aime. Un morceau qui a été enregistré également par Alexis Balandier. Tiens, je me souviens aussi, Monsieur Besson, dans les compiles que nous avions fait à l'époque. Eh bien, tiens, le tcha-tcha des amoureux. Eh bien, voilà, le tcha-tcha des amoureux, les amoureux des danseurs de guinguette. Voilà, on parle toujours de guinguette dans ce petit live aujourd'hui. Les amoureux. Et voici le tcha-tcha-tcha des amoureux du Musette. Le tcha-tcha-tcha des danseurs de guinguette. Voici le tcha-tcha-tcha des amoureux du Musette. Le tcha-tcha-tcha des danseurs de guinguette. Nous voici tous rassemblés pour quelques pas de Cuba. Approchez-vous pour que l'on danse tous ensemble, ouais. Le tcha-tcha des amoureux. Ah ben moi aussi, hein, ça y est, c'est fini là. Hein. Je pense qu'on va rester à l'accordéon. Parce que la voix là, oulala. Bon, donc, le tcha-tcha des amoureux, tiens, c'est un titre que j'avais enregistré avec mon ami Jean-Marc Torchy. Et les paroles, Myriam Thiebeau, voilà, qui est au-dessus, qui prépare la cuisine. Voilà. Bon, on la reverra la semaine prochaine. J'espère qu'elle pourra chanter, jouer, parce que là, elle est un petit peu, cassée, comme on pourrait dire. Hein. Mais vous inquiétez pas, hein, c'est pas le Covid. Ah oui, on a été faire le test. C'est pas du tout le Covid. Voilà, donc une bonne nouvelle. Hein. Bon, alors donc, après ça, tiens, après le tcha-tcha, un nouveau titre que j'ai composé, voilà, il y a quelques semaines, et qui s'appelle Le Baillon qui Béguine. Alors tiens, voilà, je vais mettre la partition parce que là, vous allez être les premiers à l'entendre. Ça s'appelle Le Baillon qui Béguine. On peut le jouer en béguine, on peut le jouer en baillon. Et bien sûr, hein, si vous voulez les partitions, les MP3, les playbacks, n'hésitez pas à m'envoyer des messages et je me ferai un grand plaisir de vous envoyer tout ça, si ça vous plaît. Voilà. Allez, le baillon qui begin. Je vais mettre un petit rythme de baillon pour ce morceau. Et c'est parti. Alors, le baillon qui begin. Voilà. Un petit baillon qui begin. Thank you.
dans le baillon qui béguine. Mais j'espère que vous avez bien béguiné à la maison. Hein. Voilà, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Bon, eh bien, je continue mon ascension avec l'Espagne avec un morceau qui s'appelle « À l'oreille en Espagne ». Eh bien, on espère, oui, on n'a pas, on n'espère pas. Hein. On espère que au mois d'octobre, tous ces voyages qui sont programmés pour la danse, notamment le festival 1, 2, 3, Musette, qui se déroule toujours à l'hôtel Guitare, est prévu courant octobre. Si vous voulez des informations, c'est pareil. N'hésitez pas à m'envoyer des messages. Voilà. Et ensuite, au mois d'octobre, il y aura un autre voyage avec les chanteurs des années que vous aimez, j'en suis sûr. Mais voilà, on vous en dit pas plus parce que tout est toujours en attente. Voilà. Alors, j'ai composé ce morceau à l'oreille en Espagne. Et bien justement, hein, ça sera l'indicatif de ces voyages à l'oreille en Espagne. Et ça commence comme ça. Passodoble à l'oreille en Espagne. On a mis des paroles. Alors là, je ne vous le chante pas aujourd'hui, hein, mais on vous le chantera la prochaine fois, bien sûr. Allez, à l'oreille en Espagne, c'était un petit dernier dans les dernières compositions. Eh bien, en voici encore une des compositions. J'ai commencé par la valse en mars que j'avais composée en mars. Et juste après, eh bien, j'ai intitulé cette Java, la Java déconfinée. Voilà, une petite Java déconfinée. Eh bien, on y est, hein, on y est. Pour nous, on y est, même si on a le droit de sortir, hein, parce qu'on n'a pas le droit de vous voir. Alors donc, voici la Java déconfinée. J'ai pas mis de parole. Ah oui, j'ai pas mis de parole dans celle-ci. Vous pouvez les mettre. Hein. Ah oui, comme ça, ça vous donne des idées. Vous dites ce que vous voulez comme ça avec cette Java. En dansant, la Java. Allez, c'est parti. Thank you.
pourquoi pas. Au bal du samedi soir. Tiens, je m'en suis sorti quand même avec ce bal du samedi soir juste avant. C'était la Java déconfinée. Voilà un petit enchaînement. Allez, qu'est-ce que je vous propose maintenant ? Eh bien, je vais vous interpréter deux tangos, et je vais vous les jouer au bando néon. Ça vous dit ? Allez, c'est parti, au bando. Alors, le temps de changer l'instrument, hein, je vous demande une petite patience. Casse le décor, hein. Autrement ça va pas aller. Voilà. On est prêt. 1, 2, 3. Les ennuis du direct commencent. C'est bon. Deux grands classiques avec Adios Muchachos et le 9 de Julio. Thank you.
Bon, j'espère que ça vous a plu, hein? Deux petits tangos. Vous êtes toujours là? Bon, c'est bien. Alors, je vais déranger tout ça. Alors, voilà. Bon. Voilà, voilà. Eh bien, on va continuer toujours avec le musette, mais on va danser le cire, ta. Avec un morceau que j'ai composé avec mon ami Franck Villain, le sirtaki du thé dansant. Alors vous allez enlever les chaises, vous allez enlever les tables, vous allez vous mettre en ligne. Là c'est une chanson en ligne, hein. On revient un petit peu dans ce temps où on danse les chansons en ligne, les danses en ligne, pardon. Et voici le sirtaki du thé dansant. Le temps de... Maître mon petit, registre. Allez c'est parti les amis. On chante laï la la laï la 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 laï. Thank you.
machine s'est emballée, la machine s'est emballée. C'était le Sirtaki du Ténançon, une composition écrite avec mon ami Franck Villain. Alors c'est toujours pareil, hein. Si vous avez envie, eh bien, des partitions, n'hésitez pas à aller voir sur mon site. Et si jamais ils ne sont pas mis, eh bien, envoyez-moi un petit message et je me ferai un plaisir, pardon, de vous envoyer tout ça. Bon, eh bien, aussi, sachez que vous pouvez également mettre un petit j'aime, hein, sur les diffusions YouTube ou Facebook. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne. Voilà, c'est gratuit, hein, vous le savez. Et comme ça, ça fait toujours plaisir, hein, de voir que vous êtes là également à nous soutenir dans nos petits lives comme ça. Bon, moi... qu'il y ait du monde ou pas de monde, j'aime bien faire le dimanche, voilà, comme ça. On attend qu'il fasse beau un petit peu, et puis si jamais on est encore bloqué, je referai sur ma terrasse, comme j'avais fait au mois d'avril, parce que la terrasse, je sais qu'il y a nos voisins qui nous regardent, qui viennent dans la pelouse, ils viennent derrière les sapins. Mais là, maintenant, ça ne sera plus un confinement. Alors donc, vous pourrez même danser, si vous voulez, à côté, hein, bon, chez vous, hein, voilà. Mais ça, c'est pour mes voisins, hein, attention, hein, que je ne dise pas de bêtises, voilà. Eh bien, on continue maintenant, tiens, avec une nouvelle composition que j'ai faite avec Jean-Marc Torchi. C'est une cumbia qu'il m'a écrite, et avec aussi Eliane Margelli, voilà, la célèbre édition Eliane Margelli, hein, donc vous savez, hein. Bon, donc, attention, ça s'appelle la belle cumbia. Et voilà, eh bien, vous êtes les premiers encore, hein, à l'entendre. Attention, c'est parti. Ça sera dans mon prochain album qui va sortir. Je ne vous dis pas quand, parce que c'est très, 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 très bientôt, avec plein de nouvelles compositions. On est en train de travailler aussi avec beaucoup de compositions nouvelles pour les émissions, bien sûr, que vous connaissez, 1, 2, 3 musettes, 1, 2, 3 dansées, que vous allez voir très, très bientôt sur vos écrans. Il y a plein de belles choses que vous verrez. Et on vous attend, hein, aussi sur les réseaux, sur les chaînes de la TNT, hein, télévision. Également, bien sûr, je cite aussi ma télé, je cite aussi la télé web de Michel Privot. Hein, donc, bien sûr, toutes les télés. Hein, donc, on a préparé plein de choses comme ça pour avoir des nouveautés. Et que vous soyez, bien sûr, ravis toujours de nous voir, que ce soit à la télé, à la radio. Vous ne voyez pas la radio, hein, mais vous nous entendez. Alors, Radio Cristal aussi. Hein, Radio Cristal, c'est tous les dimanches, comme aujourd'hui, toujours de 13h à 14h, juste avant, avant les lives. C'était 13h-14h, le live, l'émission. Hein, voilà. Bon, donc, je referai des apparitions en direct à la radio bientôt, parce que... voilà, comme je suis bénévole, les bénévoles ne vont pas en ce moment faire des émissions, cause bien sûr, hein, des conditions sanitaires. Bon, trêve de plaisanterie, voici la Belza Cumbia. J'ai du mal à prononcer, hein, faudrait que j'en parle, tiens. Il suffit de trouver le rythme cumbia et après c'est parti pour vous interpréter cette belle cumbia. Ah, alors faudrait que allumer aussi ce qu'on appelle le midi. Le midi, voilà, mon petit fil qui est relié à mon arrangeur pour que le rythme s'allume. Thank you.
Combien ? Eh bien, vous avez été pratiquement les premiers à l'entendre. Eh bien, revenons un petit peu à la guinguette avec Mimosette, pourquoi pas. Ah, vous souvenez ça ? Jolie brunette, petit bras de mimosa, c'est pour toi que mon cœur est en fête, et je suis heureux quand je te vois. Tes fleurettes que l'on achète sont moins fraîches que ton minois. Toi qui es si jolie, si coquette, joli petit brin de mimosa. Mimosa, c'est pour toi que mon cœur est en fête,
Et je suis heureux quand je te vois. Eh oui, ça nous manque. Tes fleurettes que l'on achète sont moins fraîches que ton minois. Toi qui es si jolie, si coquette, joli petit brin de mimosa. Toi qui es si jolie, si coquette, joli petit brin de mimosa. Eh là 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 là. La petite mimosette. Allez, on reste à la guinguette avec un morceau, tiens, que vous m'avez demandé encore. Eh bien, voici la petite montagne d'Italie. Vous la chantez avec moi parce que c'est dur. Vous êtes prêts ? Attention, on y va, on répète. Allez, on fait comme si on y était, hein, attention. Montagne d'Italie. C'est pas bon, je vous entends pas. Montagne d'Italie. Souvenir dans ma vie. Farandole des chansons tyroliennes qui s'égrènent dans la plaine. Je n'oublierai jamais ce clocher qui chantait carillon que les gars des montagnes accompagnent d'un bouquet. Montagne d'Italie, souvenir de ma vie. Farandole des chansons tyroliennes qui s'égrènent dans la plaine. Je n'oublierai jamais ce clocher qui chantait carillon que les gars des montagnes accompagnent. Voilà, c'était la petite pause guinguette. Eh bien, il est presque... Eh bien, oui, déjà, oh, que ça passe vite. Eh bien, tiens, merci en tout cas d'être fidèle au poste. Tiens, j'ai envie de vous jouer un petit medley encore de valse qui m'a été réclamé. Donc, je réponds, je n'ai pas le temps de répondre, hein, je répondrai... je n'ai pas mon téléphone, d'ailleurs. Alors, pour vous dire, hein, mon téléphone... à qui je pourrais vous répondre, il me sert de caméra. Alors, c'est pour ça que je ne peux pas vous répondre. Bon, alors je vous répondrai au fur et à mesure. Hein, voilà, d'accord ? Ok. Alors, bien sûr, partagez. Et puis, si ça vous plaît, si vous êtes musicien, si les partitions vous plaisent, eh bien, commandez. Hein, c'est gratuit, les partitions. Voilà, donc autrement, les nouveaux CD arrivent bientôt. La clé USB également. Je vous promets. Voilà, avant la reprise, vous aurez tout ça. Comme ça, vous saurez les titres, vous pourrez les chanter dans les balles. Eh bien, pour finir, un petit medley des plus grands classiques du Musette. Voilà, on va retrouver un petit peu tous les classiques du Musette. Bon, pas tous, hein, mais une partie. Allez, tiens, allez, c'est parti, un petit indicatif. Sur un air
d'accordéon. Thank you.
petit medley, hein. Eh bien, j'espère que ce live direct spécial accordéon musette vous a plu. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à partager. Vous avez une envie de partition, une envie de CD, n'hésitez pas également de m'envoyer des messages sur ma page Facebook en personnel. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau live direct. Salut, 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 et prenez soin de vous.